T'es un drôle de mec, toi. Elle m'observait du coin de l'œil droit, le seul qui fonctionnait encore. Le reste était en bon état. Trois seins ronds et fermes, des hanches larges comme des plages de sable, un cul majuscule, une bouche cerise et ses mains, surtout ses mains, dessinées comme un pulpito à huit doigts. Huit tentacules experts qui, après la gêne initiale, la seconde de dégoût, plaisaient aux hommes. Avec moi, ça n'avait pas manqué. Il avait suffi qu'elle m'entreprenne, les pantalons à peine sur les chevilles, le pénis éteint, une main dessous, 16 petits bras minuscules autour pour qu'il réussisse. Elle avait une silhouette de sirène. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'avais choisie, elle, parmi les autres androïdes de ce bordel du bout du monde. D'ailleurs, était-ce encore le monde, ici, au cœur de la normale? Il m'avait suffi de voir l'état des robots sexuels. Certains n'étaient plus qu'une vulve ou un cul posé sur un plateau. D'autres avaient encore leurs jambes enveloppées de bas résis. On devinait parfois, à la taille des jartelles, longues et fines, qu'elles avaient appartenu à des copies pirates de mannequins célèbres aujourd'hui oubliés. Le haut du corps avait été recyclé. Il existait une filière des culs de robots dont on imaginait qu'il pouvait encore servir aux maisons closes de l'au-delà. Ici, on sentait bien qu'on était en bout de chaîne. La plupart laissaient échapper des morceaux de fil dénudés, des mécaniques apparentes, qu'on ne prenait même plus la peine de cacher, encore moins de réparer. Le plus drôle, c'était ces morceaux de robots dont on ne conservait qu'un bras articulé, une main en leur extrémité. Quelques phalanges suffisaient pour qu'ils restent sur le marché de la baise pauvre. Pour ce que les mecs demandent ici, il suffit d'une main qui ne soit pas la leur pour qu'ils aient l'impression d'être aimés. C'est ce que m'avait dit la tenancière du bouge. Puis j'avais aperçu la sirène. Sa poitrine multiple, l'amplitude de son cul. Elle n'avait plus qu'un œil, mais le reste valait le détour. T'es un drôle de mec, toi. J'avais pas lâché un seul mot depuis mon arrivée. Même quand j'avais joui, je n'avais rien dit. Elle m'avait pris dans sa bouche, après les pieuvres habiles. Et j'étais venu en silence. Comment tu t'appelles, toi? Je t'ai jamais vu ici. T'es nouveau. Tu es de quelle génération, je lui demande. La question l'a prise au dépourvu. Ma voix aussi, le vide parlait. Elle me pria de répéter. Je relançais la question en la formulant autrement. Tu as été fabriqué quand? Avant ou après la séparation du normal et de l'anormal? En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as un cœur. Tu sais, cette époque, mais on l'ignorait encore à ce moment-là, où les robots ont commencé à éprouver des sentiments.
Elle me répondit qu'elle était de ceux-là. Et que c'était difficile d'ailleurs de se retrouver là avec ses émotions, toutes les émotions qu'on lui avait permis d'éprouver jusqu'à en découvrir de nouvelles, des émotions inconnues, celles qu'on ne pouvait exprimer avec des mots en tous les cas, parce qu'une intelligence humaine n'a pas les mots pour les dire. Moi, me dit-elle, je les connais toutes. Même celles pour lesquelles vous n'avez pas encore inventé de paroles. Et parfois, dit-elle, j'aimerais n'être qu'un de ces culs où les mecs insèrent leur bite pour jouir vite et mal. Comme ils le feraient d'une prise électrique, une petite décharge et hop, hop, c'est déjà fini, ce serait plus simple. Est-ce que je peux te confier quelque chose ? Elle répondit qu'elle écoutait. Alors, je lui racontai une histoire. Quand cela a-t-il commencé ? Quelle date sommes-nous déjà ? Ah oui, oui, le 16 avril 2034. C'était il y a 5 ans. J'ai l'impression qu'une éternité s'est passée. Imagine quelqu'un qui avait tout, enfin, tout ce que la société appelle la réussite. Une femme, des enfants, une maison, la compagnie autour. Le gars avait un job qu'il aimait d'ailleurs, celui dont il rêvait depuis qu'il était enfant, depuis que sa mère lui racontait des histoires. Celui qui permettait d'en inventer, de les écrire, de voyager loin, dans des pays où jamais personne n'avait posé les pieds, qu'il était le premier à découvrir, puisque ces mondes naissaient dans sa main. Et il imaginait que c'était ça, le bonheur. Enfin, pas tout à fait. Un jour, sa femme lui demande un robot. Elle lui dit un robot ménager, de ceux qui venaient d'arriver sur le marché. Et ils étaient capables de tout faire, ces robots. La cuisine, l'aspirateur, les courses, conduire les enfants à l'école, te préparer un thé japonais, réparer une bouilloire, rédiger une déclaration d'impôt, répondre à ton courrier, arroser les plantes, te couler un bain, te faire un massage après, bref, tout. Et il suffisait de demander, leurs gestes suivaient, sans broncher. Lors de l'achat, la femme insiste pour qu'il prenne un mâle, avec toutes les options. Le vendeur leur propose le module interchangeable, plus cher. Le plus cher, d'ailleurs. Celui qui permettait, selon le désir, l'envie du moment, de transformer le robot en objet masculin ou féminin, ou... Enfin, une merveille de technologie sexuelle. La femme ne veut pas. Lui s'en fout. Si ça permet à sa femme de s'envoyer en l'air et de lui lâcher la grappe, à lui, il veut bien, hein. Mais il veille simplement à ne pas choisir le plus beau. Toi, tu choisis le cul, moi la tronche. Quand elle habite, elle est de dimension normale. Pas le truc de cheval que le vendeur, l'œil allumé, cherche à le refourguer. Le soir, il l'initialise. Lui font visiter la maison, le présente aux enfants. Les enfants qui lui sautent dessus. Demande comment il s'appelle. Alors, il propose des noms d'animaux. Les parents refusent. Il le nomme Anatole. Le moment pourrait être agréable si la femme ne prenait alors le robot, bras dessus, bras dessous, et l'entraîne dans la chambre. Lui, il ne lui reste que la chambre d'amis, des draps propres et une bouteille de pur malt. Il n'aurait
jamais cru pouvoir être jaloux d'une machine. La nuit, il écoute les rumeurs de la maison jusqu'au lever du jour et il s'endort la main sur un sexe douloureux. À midi, on ouvre les fenêtres en grand. C'est Anatole qui le réveille. Le salut d'une voix enjouée. Imaginez, le mec avait baisé sa femme toute la nuit et il sourit au cocu de toutes ses dents. Un robot pouvait-il être ironique? La question lui traverse l'esprit. Il l'écarte en fonçant dans la salle de bain. Il trouve sa femme, la tête à l'envers. Elle examine ses fesses, la peau rougie par des heures de chevauchement nocturne. Et il l'imaginait, lui, à quatre pattes, le cul en l'air, le marin mécanique et son sexe en va-et-vient ridicule, attendant, alternant la caresse et la fessée, elle qui déteste ça d'habitude. « J'ai joui 22 fois, dit-elle, sans le regarder. » Elle ne lève pas les yeux vers lui. Il tente d'écrire ce jour-là. Un roman noir qui traînait dans sa tête et sur son bureau depuis trop longtemps. Il en était à la rencontre du flic avec la femme du mort et son imagination butait sur la manière dont le héros allait résister aux avances de la femme araignée. Mais chaque fois que le flic de son histoire la déshabillait sous sa plume, il dérapait. Son esprit remplaçait la poitrine immense de l'autre avec les seins pointus de sa femme à lui, à califourchant sur l'érection d'Anatole. Dans son manuscrit, il se voit à la place du mort et c'est une position, je vous le dis, très inconfortable pour un auteur. Le robot ménager entre au moment où il éteint rageusement son ordinateur quantique. Vaincu par les images parasites occupant son cerveau, son amour-propre aussi, sa colère éclate instantanément. Anatole, nous allons être très clairs. Avant d'entrer dans une pièce, vous allez frapper et demander l'autorisation d'entrer avant d'imposer votre présence. Mettez-vous ça dans le petit crâne qui vous tient lieu de disque dur, qu'il suffirait de débrancher pour que vous arrêtiez de faire le malin. Anatole hésite un instant, puis sans se laisser démonter, il le prend à revers. « Vous avez entièrement raison, monsieur. Ou comment dois-je vous appeler ? Monsieur ? Simplement ? Très bien, monsieur. Je reviens. » Monsieur a-t-il besoin de mes services ? L'écrivain reste interdit. Il réclame un café qui lui est promptement apporté. Et avant de quitter la pièce, l'humanoïde tourne la tête vers lui comme s'il avait attendu cet instant pour lâcher sa bombe. Savez-vous, monsieur, que madame m'apprécie beaucoup et pour tout vous dire, c'est réciproque. Et le robot s'éclipse. Le soir même, il s'impose dans la chambre commune, il s'installe dans le lit, il refuse d'en bouger. Les draps n'avaient pas été changés. Et il attaque d'emblée sur la petite phrase assassine du robot. Et la femme rit. Comment pouvait-il imaginer ce lien, comment pouvait-il imaginer une relation amoureuse, réellement amoureuse ? Ce lien si subtil qui s'exprime à fleur de peau, naît du trouble et de l'ambiguïté, se glisse justement dans l'espace ténu entre ce qui se dit et ce qui se tait. Comment pouvait-il imaginer que ça existe, avec une machine ? Anatole, conclut-elle, est un objet charmant, mais il s'agit d'un objet. Certes, plus sexy qu'un aspirateur,
instrument ménager avec lequel il partage toutefois deux choses, l'efficacité et l'endurance. Sur ce terrain-là, mon coco, tu régates pas. La différence, c'est que je t'ai jamais vu t'enfiler un aspirateur dans le cul. C'est lui qui parle. Il regrette aussitôt ses paroles. Ben, s'il est une chose que sa femme ne supporte pas, qu'elle déteste, c'est la vulgarité, il vient d'y sombrer. Il a beau s'excuser, invoquer la jalousie, ce poison qui lui fait dire n'importe quoi, se justifier par les images difficilement supportables d'un atoll en rut, elle en brouette chinoise, elle le congédie et il finit sur le tapis de la salle de bain. Durant les jours qui suivent, une paix relative s'établit. Il réussit à négocier un partage équitable des nuits conjugales. Il garde deux nuits par semaine, le week-end, les jours fériés, la moitié des vacances. Le robot, lui, reste discret, ne fait plus allusion aux sentiments particuliers qui le lient à madame, et les enfants l'adorent. Il est utile à toutes les tâches de la maison. Et petit à petit, il en vient à enfiler ses vieux vêtements. Il vient à filer ses vieux vêtements au robot. Il découvre d'ailleurs que le petit Rabelais ne l'est pas comme il l'avait imaginé, à moins que ce soit lui qui se soit ratatiné avec l'âge. Et puis, quand on partage le corps, les nuits d'une femme, on peut se filer des tuyaux. Ceux du robot l'éveille à d'autres manières, à des sensualités inconnues jusqu'ici. Il lui parle des gestes doux et complexes du massage tantrique. Le temps infini à parcourir le corps de l'autre, à le sentir naître sous ses doigts, le corps entier, la plus petite parcelle de corps, jusqu'à en oublier le sexe lui-même, la surface de toutes les peaux devenant centre et circonférence, jusqu'à l'arc électrique des attouchements les plus délicats. Il est frappé par la façon poétique d'Anatole d'évoquer le corps d'une femme. Prend-il lui-même du plaisir? La question semble incongrue au robot. Plaisir. État de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'une tendance, d'un besoin, d'un désir. C'est votre dictionnaire qui dit cela, monsieur. Or, je n'ai ni nul besoin, je suis dépourvu de désir. Une chose m'importe, c'est d'ailleurs la seule. La satisfaction des vôtres, monsieur. Mais je dirais pareil à madame. Qui songeait qu'on avait déjà inventé l'algorithme de la duplicité ? Au fil des mois, la cohabitation s'améliore nettement. L'humanoïde prend sa place dans la maison. Il est au même instant le frigidaire, la machine à café, la nounou, le sextoy de madame. Pas n'importe quand. Hein. Il y a des temps de jour, des temps de nuit, une frontière infranchissable entre les deux. C'est lorsqu'il suggère l'acquisition du module trans que la situation change. L'homme de la maison, ce qu'il en reste en tous les cas, lance à sa femme qui beurre sa tartine « Est-ce que tu te souviens de l'option que le vendeur de Roboteuil nous avait proposée, le petit module qui permettait à Anatole, enfin tu vois, comment dire, d'exprimer sa nature féminine et à moi de... » Il perçoit l'échange de regards discret entre la femme et l'humanoïde. Pourquoi pas, lui dit la femme, nous en reparlerons. Le lendemain, l'écrivain reçoit un étrange courrier. Le contenu du message est sans importance. Mais un détail l'intrigue. Sur l'enveloppe, il manque une lettre à son nom et à son prénom.
C'est lorsqu'il s'installe à sa table de travail, un écran tactile de dernière génération, qu'il se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de l'erreur d'un expéditeur quelconque. Les mêmes caractères manquent à l'intitulé de son profil. Et sur les messages en attente dans sa boîte de réception, le défaut est identique. Il remonte le fil de ses archives, tous les emails, jusqu'à son acte de naissance. Son identité est pareillement amputée. La nuit, il dort mal. Il prend sa voiture, il roule jusqu'au drugstore, achète un paquet de cigarettes. Il n'avait plus fumé depuis 1000 ans, depuis la naissance de son premier enfant. De retour chez lui, il erre dans le jardin. Il aperçoit leur silhouette de loin. Elle, le corps collé à la fenêtre, tant que ses seins blancs, ses cuisses, son ventre, sa bouche, son visage entier s'écrasent sur la vitre en laissant des traces grasses. Il éteint sa cigarette en songeant qu'il aurait peut-être dû choisir des verres moins résistants. Il s'éveille après-midi. Il ne s'était effondré qu'après le lever du jour. Il allume son écran et son œil s'arrête sur le nom qui apparaît en haut, à gauche. Son cœur s'interrompt. Une autre lettre manque à son prénom. Son nom, lui, a perdu une syllabe entière. Tout va très vite, ensuite. Lors des semaines qui suivent, le phénomène se renforce de manière erratique. Un jour, oui, un jour, en sursis. Il reçoit une lettre de son éditeur, son nom entier, inscrit à l'endroit du destinataire. Un espoir, vite éteint. Deux jours plus tard, alors qu'il rentre chez lui, la porte reste close. Il ne comprend pas tout de suite le message qui s'affiche à l'écran, alors qu'il vient de présenter sa carte et son œil au lecteur de l'entrée. Deux phrases, simples, brutales, lui dit que l'accès lui est refusé parce qu'il n'existe pas. J'interrompis mon récit à cet endroit-là. Ce que j'avais tenté de faire pour me défendre, mon passage à la police pour porter plainte, l'air goguenard de l'agent qui avait voulu me foutre en cabane parce que je lui présentais une carte d'identité, vide, sans doute falsifiée. L'indifférence de ma femme, son robot sortant de la maison, même le regard absent de mes enfants, qui semblaient ne pas me reconnaître. Tout cela était inutile. Tu sais pourquoi j'ai pas de nom maintenant? La pute à trois seins l'avait compris sans que je ne le dise. Elle avait saisi ma disparition. Le vide. Et elle pleurait de son œil valide. Mon histoire avait réussi à toucher un robot alors que personne jusqu'ici n'y avait prêté attention. Les machines de cette époque d'avant la normale étaient vraiment extraordinaires. Elle s'approcha de moi. Et elle me murmura doucement, « Ceci n'est pas une pipe. »
Elle s'appelait Moderna. Ni plus, ni moins. Un prénom posé comme une évidence. Le constat d'une réalité sans contestation aucune. Qui faisait qu'elle ne pouvait appartenir qu'à cette époque, ou plus précisément, à ce temps toujours renouvelé d'une modernité chassant l'autre. Sa mère avait plusieurs fois raconté l'histoire de sa venue au monde. Ses parents étaient des réfugiés de la guerre d'Espagne. Le père avait un peu d'argent, assez malin pour échapper au camp de concentration. Il s'était inventé une famille française, avait sorti des documents, de faux papiers achetés à prix d'or. Les gendarmes l'avaient laissé passer, sa femme et sa fille dedans. C'est peut-être pour cela que l'enfant était resté aussi petite. Elle avait appris, dans le ventre de sa mère, à se tenir à carreaux, à se glisser dans les plis, sous la peau, dans son nid amniotique, à ne plus bouger, ne pas grandir trop, un millimètre après l'autre. Juste ce qu'il fallait pour qu'un nez s'esquisse au milieu du visage, qu'un bras, une main, se forme sans se déployer, les doigts prolongeant les attaches, et un cerveau pour rêver déjà. Même le cœur minuscule avait commencé à battre en son rythme à mesure que le bébé se formait. Et l'enfant était né à Toulouse, la ville rose, à son terme, mais pas plus grande que deux pommes sauvages. Et il était resté ainsi. Lorsqu'on poussait la mère à raconter le prénom, ce choix singulier, moderne, elle levait les yeux, comme ça, verticalement, jusqu'à ce que la pupille glisse sous la paupière. On voyait alors, pour un temps proportionné à son humeur de l'instant, le blanc de l'œil strié de Vénus écarlate, avant que l'iris ne revienne en son centre. Et elle enchaînait le récit, rodé par les années d'interrogation de l'entourage. Des autres enfants arrivés plus tard, des instituteurs surpris, des voisins indiscrets. Elle disait qu'avant la guerre, elle rêvait d'une petite fille qui se prénommerait Rosa, Violetta ou Flora. Enfin, le nom d'un bébé doux au sentir et au toucher, un enfant dont l'odeur précéderait la venue. Un effluve posé sur les lèvres. Un mot à cueillir avec le nez d'abord, à sentir du bout des doigts. Et le père avait dit non. Le père, il voulait bien une fille, mais pas avec un prénom évanescent, un blaze qu'elle porterait toute sa vie pour garder sagement un rôle de poupée. Lui, il proposa Renata, Olivia, Paula, des prénoms d'exploratrices de terres inconnues, des identités fortes, avec des consonnes sonores qui roulent au fond de la gorge ou sortent de la bouche en explosant, vibrantes comme des étendards conquérants. Ils se battirent durant 3 jours, la mère en douceur, mais avec cette fermeté des femmes qui ne s'en laissent pas compter. Lui avec la conviction que la manière de nommer sa fille écrirait son avenir. Et au bout de 3 jours, ce fut elle qui céda. Elle laissa son mari choisir. La capitulation était toutefois accompagnée de 2 conditions. Elle excluait les appellations de garçon manqué. C'est elle qui pourrait choisir, à l'avenir aussi, sans discussion aucune, le prénom de leurs futurs enfants. Elle avait ajouté, à l'instant où il poussait la porte du vestibule, et elle se souvenait bien
de cet instant précis, de ses paroles, parce que le battant grinçait et qu'il entama son cri hein, en même temps que ses mots à elle. « Encuentra algo moderno !»« Trouve quelque chose de moderne !» Lui, il n'avait entendu que la dernière partie de la phrase, les trois syllabes finales. Il les avait fait tourner dans la tête sur le chemin de la mairie. Et lorsque l'officier d'état civil lui demanda le prénom de sa fille, il dit « Moderna ». Il donna encore la date, l'heure exacte de la naissance, signa la déclaration, emporta le document avec lui. Des années plus tard, elle était convaincue. C'est la foi déterministe de son père qui l'avait conduite à vivre cette vie-là et pas une autre. Elle prenait toujours un chemin de traverse. Celui que personne n'attendait, le parcours qui n'existait pas avant qu'elle ne le foule de ses pas. Moderna était donc petite, infime, brève, pas naine, disait-elle. Elle préférait se dire lilliputienne. Parce qu'elle aimait bien le mot lilliputienne. Et tout en elle était harmonieux, de la bouche dessinée, précise, parfaite, jusqu'aux pieds à la peau brune. Et entre les deux, il y avait un corps, proportionné jusque dans ses détails de courbes, de segments, d'esquisses. On aurait dit qu'elle avait été sculptée par un sculpteur. Un céramiste passionné, méticuleux, qu'il avait façonné dans une terre de porcelaine tendre. Une nuque fine, une attache ténue entre les épaules et la tête, le dos dans le prolongement, un dos de chat heureux, arrondi lorsqu'il attendait les caresses ou le souffle du vent. Et devant, des seins minuscules, deux petites rondes, des cerises de printemps s'avançaient comme des gouttes d'eau. Des hanches liquides où s'accrochaient les jambes. Elles ne semblaient pas attachées, ces jambes, ni les articulations souples qui suivaient. Elles flottaient. Elles dansaient constamment et en leur sommet, les fesses rebondissaient. La première fois qu'elle s'était déshabillée devant un garçon, aux abords d'un étang frais, l'autre l'avait contemplée sans oser l'effleurer, même du bout des doigts. Il avait le sentiment que ses mains étaient trop grandes, trop maladroites pour une telle joliesse. Lui, c'était un turbulent, un fort en gueule, beau comme un vélo rouge. Mais devant le petit corps de Moderna, ce corps qu'une seule main semblait pouvoir tenir, contenir, et dont la fragilité l'impressionnait, il n'osa pas. Sans un mot, le front cramoisi, un rouge aussi rouge que son vélo, il prit ses vêtements éparpillés sur la plage, laissant un trouble au bord de l'étang. Moderna imagina dès lors qu'elle n'était pas désirable. Quelle imagination dut-elle déployer pour évoluer dans la grandeur des villes ? Le monde des grands ignore ou méprise ce qui n'est pas à sa taille. Elle tenta la morsure à hauteur de mollet, joua l'esquive, apprit l'indifférence, cette froideur, et finalement elle apprit la langue de vipère. Lorsqu'elle croisait un regard plongeant, insistant, une toise de haut en bas, une mesure étalon, elle levait
légèrement la tête, comme ça. Juste un peu. Plantait ses yeux verts à elle, à la hauteur du nez du curieux incongru, juste en dessous, et lançait bravache. 1m45, sans talons ni trompettes. C'est assez pour voir l'intérieur de vos narines. J'ignore comment vous faites avec le vide qu'on y observe. Immanquablement, l'autre baissait la tête, reculait d'un pas, saisissait son nez entre le pouce et l'index, et un pourpre éclairait le front. Et chaque fois, elle repensait au vélo rouge s'éloignant sur la berge. Moderna aimait grimper aux arbres. Elle était toujours celle qui parvenait le plus haut, jusqu'aux branches les plus fragiles. Autant parce qu'elle était fine et légère que parce qu'elle voulait voir loin. Alors elle devint funambule, moins par passion que par nécessité de respirer en altitude. Elle inventa des tours aériens, des envolées de fils suspendus entre le ciel et la terre, des balancelles vertigineuses. Tout le monde vint la voir dans ses numéros de voltige haute et belle. Un jour, alors qu'elle effectuait une tournée avec un cirque réputé, elle tomba sur Alfredo, le dompteur de tigres. Et le terme « tomba » est utilisé littéralement. Alfredo était énorme. Des muscles noués à chacun de ses membres. Des moustaches en guidon de bicyclette. Une chevelure hirsute comme une ramure de cèdre. Il était italien, fils d'une campagne lointaine et analphabète, et au gré de ses voyages, il avait cueilli des mots dans des langues d'ailleurs. Il en avait inventé un langage qu'il était le seul à comprendre, lui et ses fauves. Et sous le chapiteau, il aperçut Moderna. Elle était sur son fil de funambule. Elle volait à grande hauteur. Et sous le coup de l'émotion, ses moustaches s'étaient entortillées comme des escargots. Il aurait pu attendre qu'elle redescende, qu'elle retrouve la terre ferme pour lui dire. Mais ses paroles éclatèrent sous le chapiteau. « Mi accorro volaskis !» Ce qui, dans son langage, voulait dire qu'il avait besoin d'un petit baiser léger. Mais ce fut plus un cri que des mots. Alors, elle en fut distraite, elle tourna la tête, elle manqua la grès, et elle fut précipitée dans le vide. C'est ainsi qu'elle rencontra Alfredo. Elle aurait pu s'écraser au sol, mais le grand corps du géant s'interposa. Dans sa chute, elle croisa un arbre et elle se posa sur l'une de ses branches. Il ne parlait pas, Alfredo. Il chantait. Ses paroles se balançaient à la porte de sa bouche en volute grave. La plupart du temps, avec son vocabulaire élémentaire, il utilisait sa voix profonde que pour évoquer des besoins élémentaires. Manger, boire, dormir, travailler, aimer. Mi accorro volaskis. C'était sa manière à lui de dire qu'il était amoureux. Et il donnait comme il recevait. La plupart du temps, d'ailleurs, il se taisait. Parce qu'il savait que les mots lui échappaient, lui passaient sur le bout de la langue. Et il s'envolait, il disparaissait à nouveau, il s'en mêlait, avec ses yeux s'affolaient, voltigeaient à gauche, à droite, en bas. On aurait dit de minuscules chasseurs de papillons battant l'air et rentraient bredouilles.
Moderna, elle, elle riait de son vol à puc, sa langue embrouillée. Elle, elle aimait l'arbre, ses bras immenses et ses poils drus. Le cirque. À ceci de particulier que les alliances les plus inattendues étaient acceptées, encouragées même. Tant qu'elle renforçait le caractère particulier de son univers, un monde hors du monde, du temps et des règles communes. Un éléphant aurait pu s'allier à une souricette sans que personne n'eût rien à dire. Et d'ailleurs, on ne sut jamais exactement comment ils parvenaient à s'aimer. Eux-mêmes restèrent fort discrets sur les gestes et la manière. Alfredo devait avoir un phallus proportionné à sa carrure d'animal. Personne n'utilisait le mot « sexe », car on ne pouvait nommer, d'un terme aussi banal, quelque chose qui devait s'apparenter à une montagne vertigineuse, une bite de cargo transatlantique. Les langues couraient dans tous les sens, inventaient des queues atomiques à plusieurs têtes, les décrivaient à l'instant où ils se glissaient à l'intérieur de Moderna, en faire péter les coutures. Les imaginations des uns, des autres, enflammèrent un moment les esprits, les langues mêlées, les sourires en coin. 1000 histoires circulèrent sur les amours singulières. On décrivait des positions invraisemblables, des brouettes aériennes, des levrettes d'oiseaux-mouches, des balancexes ivres, des asperges tantriques, des montgolfières acrobatiques, des caresses à air chaud. Certains disaient les avoir vus à la dérobade, une nuit, au sommet du chapiteau. D'autres revendiquaient les confidences de l'un ou de l'autre, les rumeurs des voisins et les soupirs de la nuit. Lorsqu'une de ces curiosités parvenait à leurs oreilles, ils en riaient. Ils firent alors courir un bruit invraisemblable. Une nuit, ils s'étaient fiancés. Sans argent, ils ne pouvaient s'offrir d'anneaux pour sceller leur union sacrée. Alors, elle s'était glissée sur la main et avait pris son annulaire à lui, dans son intérieur à elle, bien au chaud. Elle l'avait gardé à demeure. Comme elle était constamment perchée dans le creux de ses bras, l'hypothèse était plausible. D'autant qu'ils en rajoutaient, lui avec des mots crus et simples dans sa langue incongrue. Mia donna estas caleringo. Ça voulait dire ma femme est un anneau. Dans sa naïveté de géant, c'était l'expression d'un émerveillement. Il n'aurait jamais pu imaginer que Moderna soit un objet, encore moins une chose qu'il possédait. Il parlait d'une âme précieuse, d'un sexe doux fait de battements de cœur dont les rythmes pulsaient dans le creux de sa main, un sexe dont les contractions parlaient à ses doigts d'une langue de morse, une langue secrète. Un vocabulaire intime qui n'a plus besoin de ces mots si difficiles à garder en mémoire. Et personne ne sut jamais s'il disait vrai.
Elle emménage un 1er avril dans cette rue qui porte un nom de fleur. L'appartement est ancien, spacieux, assez lumineux. On l'a rénové très simplement avant son arrivée. L'air sent bon les lilas, ceux qu'elle avait aperçus en venant jusqu'ici. Et elle se demande d'ailleurs si l'on avait nommé la rue en référence au parfum fleuri qu'elle exhalait, ou alors si, par manque d'imagination, les voisins avaient planté des lilas parce que le nom de la rue l'ordonnait. Elle fredonne l'air du poinçonneur. Elle visite les pièces de la maison. L'immeuble est situé dans un vieux quartier de la ville, une construction ancienne, longtemps laissée en friche sociale, 5 étages, sans ascenseur, des escaliers vermoulus où l'on pouvait reconnaître chaque marche à la note qu'elle faisait. Les graves des premiers niveaux, les mineurs des suivantes, jusqu'aux aigus de son palier. À chaque étage, une nouvelle octave. Elle l'avait perçue à sa première visite. Il doit être 9h, 9h du soir, lorsque la rumeur l'éveille. Une musique insistante, un rythme syncopé, ce bruit si caractéristique des corps qui se chevauchent à proximité. Elle n'est pas certaine du premier cri, ce cri qui la réveille, qui la sort de son sommeil, qui la prend dans son rêve, toujours le même ce rêve, celui d'une vallée profonde, si profonde qu'elle n'en voyait pas le fond, des brumes montantes, le son de cornes vrombissantes venues de l'autre versant de la montagne qu'elle apercevait avant de se lancer sur le fil, un fil de funambulé, chaque fois. La brume venue des entrailles de la terre, plus bas, l'envahissait soudainement alors qu'elle était à mi-chemin, qu'elle se retrouvait au milieu de nulle part, entourée de blanc, même le fil disparaissant à quelques centimètres de son pied, suspendu en l'air, sans espoir de retour. Le cri revient à nouveau. Cela la réveille complètement. Un cri suivi d'un ordre, un chut impératif. La nouvelle voisine va t'entendre. Qu'est-ce qu'elle va penser de nous, de toi, enfin de nous? Et la saccade reprend. Un bruit de locomotive essoufflée. Un soupir rauque. Elle se lève. Elle va en direction de la paroi. Elle se colle à même le papier peint, l'oreille attentive, plaquée contre le bois. Elle en ressent toutes les vibrations. Dans l'angle de la pièce, un ronfoncement est perceptible. Un léger creux, comme un vide derrière le papier. Alors elle gratte un peu. Elle perce la surface. Un filet d'air minuscule en sort. Elle aventure un œil. De l'autre côté, un homme chevauche une femme. Elle ne voit d'abord qu'une ombre mouvante à travers le petit trou de la paroi. Sa pupille s'adapte au clair-obscur. L'ombre se précise, dessine deux corps en enfilade. L'un à 4 pattes, devant, 2 petits seins pointus, lumineux, un visage en amorce. Un visage déformé par quelque chose, une émotion, un courant électrique qui se situe à l'exacte distance entre le plaisir et la douleur, sans que l'on puisse déterminer ce qui l'emporte. L'humeur changeante à chaque assaut, elle serre les dents, les relâche soudain, souffle fort, repart en apnée, les yeux exorbités en grimaces hurlantes, tant elle doit en retenir l'expression. Songeant peut-être à la voisine, celle qui l'observe à l'instant et dont elle ignore la présence. Et derrière elle, dans le prolongement des peaux, entre elle
et la fenêtre. Un autre corps lui laboure le cul. Emma recule. Elle croit, elle est certaine que le regard de la femme, à quelques centimètres de la paroi, l'a débusquée. Mais peut-être est-ce quelque chose de plus subtil, de plus inavouable, au croisement du dégoût et du plaisir animal. Depuis combien de temps n'a-t-elle plus baisé? Et l'image revient immédiatement. Le livreur de médicaments arrivait quelques minutes après la fermeture du magasin. Un jeudi soir de pluie, c'était avant l'hiver. Oh, il y a 1000 ans. Elle l'avait déshabillé des yeux avant de le déboutonner. Il l'avait prise sur le comptoir, debout, dégoulinant encore de la pluie froide. Elle n'avait même pas vu son visage. Ou alors elle l'avait oublié aussi rapidement que sa queue. Pas franchement jovial comme baise d'avant l'hiver. Au-delà de la paroi, les corps jubilent en volutes sonores. Et un silence lourd suit. Dans le rêve qui occupe sa nuit, celui de la funambule sur son fil, elle sent une présence derrière elle et une main sur son cul. C'était une seconde avant son réveil. Le lendemain, en partant à son travail, elle s'arrête devant la porte de ses voisins. Au centre de celle-ci, une petite étiquette est affichée. Elle mentionne le patronyme du couple précédé de 2 lettres, les initiales de leur prénom, E et G. Et toute la journée, ces 2 caractères l'obsèdent. Elle invente 1000 associations. Eliane et Georges. Héloïse et Gaspard. Élise et Giuseppe. Elena et Gabriel. Elvira et Guilhem. Evelyne et Gildas. Emma, non. La femme ne peut pas porter le même prénom qu'elle. Emma, Ella, Gaston. Hermine, Goliath, d'autres encore, et toutes les combinaisons possibles. Et sa curiosité est satisfaite le soir même. En entrant dans l'immeuble, poursuivie par l'odeur des lilas et du printemps, la porte grince derrière elle. Elle se retourne. Elle aperçoit un homme plutôt jeune, c'est quelconque, pas beau du tout. La dégaine d'un ouvrier du bâtiment, l'épaule affaissée, les mains rugueuses et abîmées, des mains qu'elle imagine déjà parcourant son corps. Il salue, se présente. « Jeanne », dit-il. Il le répète parce qu'un poids lourd passe dans la rue. « Vous êtes la nouvelle voisine ? Bienvenue dans la maison. Même si personne ne se connaît ici, on s'épie, puisqu'on ne se croise. Mais tout le monde est très gentil, vous verrez, indifférent mais gentil. » Une mention retient l'attention de la pharmacienne sur le courrier qu'il garde à la main. Elle lit à la dérobade le nom de sa destinataire. Ella Gamba, 21 rue des Lilas. La femme d'à côté porte un prénom très proche du sien. Ella, Emma. À peine 2 consonnes. Le soir, après un petit repas, elle pose en silence dans l'espace, comme elle le ferait d'une relique. Elle attend, longuement. Écoute chaque rumeur provenant de l'appartement d'à côté. Le brouhaha d'une télévision, le tintement de la vaisselle, une chasse d'eau, plusieurs fois, des voix indistinctes, les allées et venues de pas domestiques dessinant la géographie des pièces, des horaires ménagers, des minuscules habitudes, le soir en tombée. Puis, les sons se rapprochent, deviennent plus distincts, signe que le temps du coucher est annoncé.
La paroi assourdit les rares conversations. Elle comprend qu'il parle du lendemain, des courses à faire, de l'anniversaire d'une mère lointaine, des vacances de l'été. Et aucun mot n'anticipe la danse des corps qui débute à peine la lumière éteinte. Emma se rapproche du trou de la paroi et elle ne l'a pas rebouché comme elle l'avait promis. À travers lui, elle aperçoit la femme, le dos tourné vers elle, le point de son observation, le corps vertical, le cul posé à califourchon sur la tête de l'homme, les bras tantôt en croix, tantôt ramenés contre la poitrine. À l'horizontale, des mouvements longs, lents, ronds, et le geste, plusieurs fois répété, lui donne l'air d'un oiseau migrateur. Elle l'a sur un tapis volant. Emma devient alors voyeuse, voleuse d'intime, bouffeuse de trous de serrure. Elle se justifie en pensant que, quoi qu'elle fasse, la bande-son s'imposera à elle. Quand bien même se priverait-elle de la vision des sexes verticaux. C'est son cinéma à elle, sa télévision. Un instant vespéral qu'elle s'accorde avec une tasse de thé et un carré de chocolat noir. Et comme Jan et Ella répètent tous les soirs, à la même heure, jamais vraiment de la même manière, elle prend l'habitude de n'en rien manquer. Elle va même jusqu'à faire l'acquisition d'un fauteuil dont la dimension et la hauteur lui permettent de coller son œil et sans effort. Une main entre les cuisses, l'autre tenant la tasse de thé, le carré de chocolat fondant entre les lèvres. Le printemps s'épuise ainsi. À l'amorce de l'été, les choses changent. Emma rencontre Ella, et plus rien n'est comme avant. Ce que la pharmacienne ressent à l'instant de leur croisement, car elles ne se rencontrent pas vraiment, c'est Emma qui, de l'autre côté de la rue, reconnaît une femme, une jolie femme, sortir de l'immeuble de la rue des Lilas, alors qu'elle s'apprête à traverser la chaussée, et elle reste interdite, abasourdie par la beauté fugace, une éclosion de fleurs d'été. Elle est brune, elle là, longue, fine, un peu comme elle d'ailleurs, mais avec une légèreté en plus, une liane ondulante glissant sur l'asphalte qui donne l'impression, mais c'est plus qu'une impression, de flotter dans l'air. Elle semble hésiter devant la porte, fouille son sac. Elle veut s'assurer de ne pas avoir oublié une partie d'elle à l'intérieur. Elle a la nuque en demi-lune, elle est d'une rare élégance et elle part sur la gauche. Tout cela en un mouvement délicat. Et en la voyant s'éloigner, Emma observe ses fesses et ses déplacements liquides, la robe parsemée de fleurs bleues épousant le va-et-vient d'une sinusoïde. Emma est une belle femme pourtant. Tout le monde s'accorde à le dire. Elle le sent parfaitement à l'attitude des hommes quand elle les croise. Des femmes aussi, parfois. Lorsqu'un client de la pharmacie sort du lot des imbéciles et des insignifiants, ils ne sont pas nombreux. Elle déboutonne sa blouse, se penche imperceptiblement vers lui de l'autre côté du comptoir. Elle capte le regard, elle perçoit l'abaissement des yeux, le temps qu'il lui faut pour se diriger droit vers l'objectif, l'écarquillement soudain. L'orientation du nez, les pupilles qui s'élargissent.
la béance de la bouche. Elle attend ce moment précis où, juste avant l'abîme, il ravale sa salive et il revient à l'horizontale. Le regard. Elle avait appris à détecter ainsi les éjaculateurs précoces, à leur manière de sortir illico leur portefeuille de leur poche, comme s'ils avaient déjà quelque chose d'autre à faire. Emma, je vous le disais, est donc une belle femme. Mais ce qu'elle vient de voir dépasse ce qu'elle sait du monde. Et le soir même, face à son petit trou de paroi, elle observe chacun des gestes de l'autre, la femme, cette femme. Leur fenêtre est ouverte, grande, de l'autre côté des corps. Elle ne distingue donc qu'une chorégraphie en contre-jour, des ombres, des souffles. La douceur infinie qu'elle met à saisir l'autre dans sa bouche, à amplifier le mouvement de sa tête, les cheveux en bataille, le rythme et la cadence qu'elle ne voit pas, mais qu'elle devine. Elle jouit avant l'autre, en silence. À peine un grincement de fond de gorge qui suit le bouillonnement du sang. Et puis, à l'intérieur de sa tête, 3 secondes, la décharge électrique partie du fond du ventre. Durant les semaines qui suivent, elle passe chaque soir entre le fauteuil, le trou du mur, la table de la cuisine, où elle note 1000 détails, 1000 choses, les détails les plus insignifiants même. Son lit, où elle joue, elle rejoue, elle reproduit, comme un miroir, les gestes d'à côté. Malgré la pénombre, la furtivité des caresses, le flou des corps à corps, elle parvient à écrire la musique de chaque position, l'ouverture des préliminaires. L'andante, dont elle distingue les clarinettes joyeuses, le râle des hautbois en contrepoint, la couleur des notes haletantes, les fugues animales des levrettes, le vivace des enculades, les fantaisies primes sautières des entrechats. Elle en invente les partitions, tantôt lui, tantôt elle, elle surtout, tant et si bien qu'elle ne parvient maintenant à l'aveugle. Les voir serait inutile. À en traduire les cris et les soupirs de l'autre côté de la paroi. Un vendredi, ils ne sont pas là. Le lendemain non plus. Le silence s'impose. Et comme il se prolonge, elle tente. La porte ne résiste pas à sa dextérité. Lorsqu'elle entre, l'air est immobile. Elle garde en mémoire la position des choses, ce qui ressemble à ce qu'elle avait imaginé. Jusqu'à la poussière déposée à la surface des meubles, tout lui semble étrangement familier. Elle entre dans la chambre, le seul lieu qui ne doit rien à son imagination. 1000 fois, elle en a arpenté la superficie, l'organisation, la fonction des meubles, l'armoire dans laquelle elle découvre ce qu'elle est venue chercher ici. La robe qu'elle la portait la première fois qu'elle l'avait aperçue sortant de l'immeuble. Et Emma s'affale sur le lit. Le rêve du fil au-dessus du vide la saisit à cet endroit. La perspective est différente. Cette fois, elle se voit de l'extérieur. La caméra du rêve est positionnée au-dessus d'elle. Elle s'éloigne lentement, verticalement. La brume a déjà envahi le décor. Le fond de l'image est entièrement blanc, cotonneux, mais on devine le gouffre. Emma reconnaît les dessins de la robe aux fleurs bleues, celle qu'elle a dérobée dans l'armoire de la femme. Et elle avance prudemment. Ce « elle » qui n'est pas tout à fait « elle ».
une autre, un double inquiet d'elle-même. Elle le perçoit à sa manière de tourner la tête, des épaules, de chercher un point situé derrière elle, loin. C'est alors qu'un deuxième personnage entre dans l'image, dans le dos de l'autre, la silhouette d'une femme, la robe est identique. Elle apparaît dans le cadre, comme si elle avait attendu cet instant, une seconde d'inattention, pour sortir de la brume et se précipiter sur l'autre. Le lendemain, Emma porte la robe bleue. Elle a ramené ses cheveux en chignon. Elle a esquissé un maquillage discret. Elle a exercé mille fois le chaloupé d'un pas devant l'autre jusqu'à trouver le bon tempo, ni trop rapide, ni trop lent. La cadence du pied aérien se posant devant l'autre. Non, non, il ne se pose pas. Il caresse le sol. Elle est dans le hall de l'immeuble, une porte s'ouvre à l'instant et une voix la rattrape du fond du couloir. « Madame Gamba, dit la voix, vous êtes très en beauté ce matin. » Le vieux monsieur du rez-de-chaussée. Emma hésite, se retourne, esquisse un signe de la main, un sourire à contre-jour et elle sort. Une effluve de pivoine et de bergamote flotte encore dans l'espace. L'automne s'attarde encore. Le froid est arrivé lors d'une nuit d'orage, il n'est plus reparti. Et les feuilles sont tombées d'un coup. Jan entre dans l'appartement, un courant d'air avec lui. Ce sont ses mains, les pognes abruptes qu'elle sent se poser sur sa nuque. Elle aime ça, le baiser qui suit en douceur sur son front, une douceur qu'elle n'aurait jamais imaginée de la part d'un homme aussi brut de décoffrage, avec ses vêtements sables, sa gueule de travers. Une douceur qui se transforme en terre incandescente lorsqu'il la baise le soir, deux mains sur ses fesses, une bouche à dévorer, sa peau, son sexe, son cul. « Elle l'a !» murmure-t-il dans son cou. Elle tressaille. Elle a envie de le corriger une fraction de seconde. Mais elle se mord les lèvres. Elle retient ses mots. Si Emma s'est glissée sans hésitation ni difficulté dans les robes d'Ella, adopter sa peau et son nom est encore une autre histoire. Mais ça viendra. Lui, ce sont les minuscules évolutions du corps de sa femme qui lui plaisent. Quelques semaines avant l'été, il avait remarqué des changements d'abord imperceptibles, mais nets. Ses seins avaient pris une dimension à la mesure de ses paluches, des fruits ronds, blancs, qu'il pouvait empoigner sans craindre de les abîmer, enfin. Il avait mis ça sur le compte d'un changement de régime, un truc qu'elle avait inventé pour se donner plus de corps. C'est ce qu'elle avait dit. Un conseil de la pharmacienne d'à côté. Une très gentille femme, discrète. Si discrète que sa disparition passa longtemps inaperçue. La police était arrivée un soir, avec un mandat, ils avaient forcé la porte. Sur sa table, elle avait laissé une lettre. Elle ne disait adieu à personne. Elle suggérait simplement qu'elle s'était envolée.